I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers, getting the licks in the band, legacy. Eh bien salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui commence plutôt mal parce que là, ça a été la cascade, donc le bateau est parti tout seul, j'ai sauté à l'eau pour le rattraper. Reste à des cours, je me suis éclaté la tronche sur la remorque, oui je sais, vous pouvez rire, allez-y, moquez-vous. J'ai toujours dit, les mises à l'eau sont glissantes, hein, je le dis tout le temps, ben là ça a pas loupé. Donc là je me suis un peu éclaté la jambe là, on a mis plein de pansements avec Charles qui est là, là. Et là j'ai les deux camarades qui s'appellent Titouan et Gwenolé, voilà, qui viennent de Châteaubriand, pêcher là, là, bien sûr vous reconnaissez, on est à Corbinière. Voilà, donc on peut dire que ça commence bien. Donc là je saigne un petit peu, mais là c'est fini. Bon, par contre, heureusement il fait chaud parce que là j'ai plus de fringues, c'est trempé. Hein. Et bon, en première vue, je suis le deuxième de la journée parce qu'on vient de voir des gens qui sont retournés aussi en kayak, ils n'ont pas eu de chance non plus. Donc bah, les amis, une seule chose à retenir, soyez prudents. Voilà. Bon, on va essayer d'attraper quand même quelque chose. Allez, c'est parti. C'est parti en avant. C'est que les cendres, ils les ont fait plus bas. Poisson. Poisson. Ah bah, un peu de poisson. Un peu de poisson. Il a plus de poisson. Il a même pas eu le temps de le laisser tomber comme. Quoi? Ah bien, t'as trouvé un banc. Ah oh, si, c'est pas la même quand même. Ah, elle a une grosse perche pour. une perche pour Charles. Et voilà. Oh, je vais monter mon 2 pouces rose histoire de faire mumuse un peu. Oh. Ouais, je pense à être humide là quand même. Hein. Et là que j'ai le pantalon mouillé en plus. Alors... Il y a peut-être une plus grosse devant. 30, ça serait pas mal déjà. Ouais. Là tu vois, on aurait pu pêcher en déversoir, je pense qu'on en aurait fait. Hein. Encore ? Ah ! Ah, c'est au milieu. Oh. Ouais. Attends, on va les mettre dans le vivier. C'est mieux. Je le remplis déjà. Oh. Quand je plie le genou, je douille là. Ouais. Ouais, effectivement. Là, on est trop près. Oh. Putain, un black bass chevenne. Pris là. Hein, un black bass chevenne. Il a fait une chandelle de fou là. Ah, ça, nickel pour se niquer les doigts. Là, il est là-bas, je le vois. Il est à l'arrêt là, le gros là. Oh mais putain, t'as vu? Deuxième loupé. Deuxième loupé. Putain, deux fois loupé de suite là. Putain. On les voit vraiment, c'est quand il n'y a pas d'eau quoi. On a marqué, dès que c'est un peu plus profond, on les voit plus. Ah putain. Quand même. Oh, 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 oh. Tu peux me faire une photo? Aïe 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 dans le doigt, putain mais c'est mon week-end là. Hein? Bon laisse tomber pour la photo, il est trop petit. Voilà, on va vider
le vivier, bon, il y a beaucoup de petits poissons là. Un chevesne là au stick là. Voilà, notre chevesne black bass. Hop. Et tu mets le vidange le, tu mets en vidange. Et c'est bien qu'il me met du jus dans ma tasse à chaque fois en plus en passage. Et ce coup là la pompe s'il te plaît. Voilà. Voilà, beaucoup de perchettes. Hein. Attention, les crocs. Attention. Oh, elle est belle, elle est belle. Poisson. Encore une grosse pioche. Non mais... Je veux bien que tu mets le vivier. Hein? Ouais. Quelques belles perches là vite fait au crank principalement. Je vais les remettre à l'eau. Ouais. Beau ça. Allez, me le loupe pas mon coco. Oh, j'ai eu la bonne intuition là. Oh yes. Wouh. Oh, il doit pas être tout seul en plus. Putain, c'est beau ça. Voilà, donc un cendre correct. Je sais pas combien il doit faire. Il doit bien faire 45, 50 par là. Ben, je vais me mesurer maintenant que j'y pense. J'ai la toise. Là, toi, ce qui va bien, pensez à bien mouiller à chaque fois. Hein, je sais, je me répète, je dis tout le temps les mêmes trucs, mais bon, je vois tellement de poissons encore posés par terre sur dans l'herbe sèche que je dois pas me répéter assez, je pense. Là, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il est beau quand même, il a des belles couleurs. 52. Ouais. Bouge pas mon pépère. 53. Voilà. Je fais une photo comme ça avant qu'il se mette à bouger dans tous les sens. Si mon appareil photo veut bien. Voilà, allez, on remet vite à l'eau. Voilà.
Allez, c'est reparti. Yes, validé.